Salut à tous et bienvenue sur IQ Codec. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger un fichier de plus de 10 mégas utilisant Kpanzi. Comme vous le savez déjà, la connexion est gratuite au Cameroun si vous avez une puce Extenet 4G Camtel avec votre modem 4G. Donc, pour le faire, vous devez juste changer le proxy serveur de vos coordinateurs. Comme vous le voyez, je suis sur Kpanzi.com avec un port 80. Donc, ça déjà fait, nous allons ouvrir Chrome. Donc, Kpanzi, c'est comme un moteur de recherche, mais il y a juste une restriction. Vous ne pouvez pas télécharger un fichier de plus de 10 mégas utilisant Kpanzi. Donc, pour prouver ça, nous allons juste partir à Opsodown. Et il y a encore une chose. Si vous voulez bien profiter de Kpanzi, vous devez utiliser le site où on ne redirige pas, comme ce site Opsodown. Ici, les liens de téléchargement sont directs quand vous ancrez sur une application, soit un jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est direct, il n'y a aucune redirection. Comme on va vous dire d'aller ici pour continuer, aller pour vérifier, captcha. Donc, ici, vous faites le site, les liens directs, nous allons cliquer sur télécharger. On peut le voir, le téléchargement a débuté. Donc ça, c'est juste pour prouver qu'on ne peut pas télécharger un fichier de plus de 10 mégas utilisant Kpanzi. Donc nous allons voir. Ensuite, maintenant, pour maintenant bypasser ce 10 mégas de restriction, soit vous pouvez toujours upgrader à Kpanzi pour à Kpanzi Pro, mais pour le faire, vous avez besoin d'une carte bancaire. Donc si vous voulez bypasser ça comme moi, sans payer les frais, nous allons juste utiliser. Donc on passe sur Firefox. Sur Firefox, nous allons partir sur Options, descendre sur Network Proxy et aller sur Manual Proxy Configuration. Sur HTTP Proxy, nous allons juste remplir Multiple Proxy avec le port 80. On clique sur OK. On clique sur Kpanzi. Comme vous pouvez le voir, on est déjà sur Free Web Proxy. Donc, attends, on va voir si notre téléchargement continue. Vous pouvez le constater, c'est à ce serveur error juste pour prouver qu'on ne peut pas. Ça va dépasser les 10 mégas, comme vous pouvez le voir, voilà ça. 10,0, ça s'est arrêté net. Donc pour bypasser ça, on va juste partir sur notre multi-web proxy qu'on vient d'ouvrir. Donc on va juste repartir sur up to down. On va cliquer sur go. Même avec ce site, il faut éviter les sites qu'on redirige. Les sites que, quand vous voulez télécharger quelque chose, on va vous dire de remplir un formulaire, soit passer via la vérification captcha. Donc, il vous faut les liens directs. Donc, voici le même jeu, World of Tennis Rowing. Nous avons cliqué sur télécharger juste pour vous prouver. Vous pouvez le voir, le téléchargement a débuté. Donc, nous allons voir si ça va dépasser les 10 mégas. Nous allons juste attendre que la connexion pas. Vous pouvez constater la connexion est un peu lente ici, juste parce qu'il n'est pas une bonne, place pour placer mon modem. Mais on va faire avec. On va juste attendre. Donc, pour bien profiter du multi-web proxy, il vous faut avoir les sites. Donc, les sites qu'on ne redirige pas. Comme vous pouvez voir, voici la liste des sites. Les sites que j'ai à ma possession. Je vais vous montrer maintenant comment télécharger une série utilisant Kpanzi. Donc une série, peut-être que vous voulez télécharger comme, on va peut-être télécharger une série comme Scorpion, la saison 1 de Scorpion. Donc attends, on va vérifier. On va bientôt dépasser les 10 mégas. Et ça fait d'avancer. Donc pour ça, on va repasser sur notre Chrome pour aller sur Kpanzi. On retape sur Kpanzi. On va sur Kpanzi. On passe sur un moteur de recherche, disons Yahoo. Oui, on va partir sur Yahoo. On get notre téléchargement. Comme vous pouvez le voir, on est déjà sur 16 mégas, 17 mégas. Donc ici, on n'a aucune restriction pour télécharger comme vous le souhaitez. Mais vous devez juste éviter les sites qu'on redirige. Je répète, les sites qu'on redirige. Donc ça va, nous allons arrêter le téléchargement. On ne peut pas maintenant sur notre Yahoo.
Nous allons essayer de télécharger Scorpion. Donc, vous devez juste mettre index of the Scorpion et taper sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, voici les liens. Donc, ici, vous devez juste copier un lien. On va juste copier ce premier lien. On va prendre ce lien ici. On copie, on reprend sur Firefox. Sur Multiple Proxy. On va juste le coller ici et on clique sur Go. On peut le voir sur la saison, la première saison, deuxième saison, troisième et quatrième saison. Nous avons téléchargé les épisodes de la première saison. On clique sur pour le voir tous les épisodes de la première saison. Donc cliquez juste sur, vous cliquez juste et vous débutez au téléchargement. Voici le téléchargement qui a débuté. Donc vous pouvez toucher tout ça comme vous voulez. Et moi avec ça il y a déjà plus de 3 séries. Maintenant on va voir si vous peut-être que vous voulez utiliser. Peut-être que IDM c'est facile. Vous devez juste, on va arrêter au téléchargement. Vous devez juste partir sur votre IDM. Partir sur option produit server. C'est sur manual produit server. C'est en sorte que c'est sur multi web proxy. Et on veut qu'on pour 80, on clique sur OK. C'est la même, on va déjà la première saison, la première épisode, on tape sur download ici. Vous le voir, start download. Le téléchargement qui a débuté. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et souvenez-vous de laisser un like et souscrivez à notre chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, bye à vous tous.